Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si... Ouais c'est bon, vous avez l'image, c'est mieux. On est sur Unlisted, nouvelle bataille. On est en Libye je crois. Et on est avec une escouade performante. Contrairement à d'autres de mes escouades. Alors ils sont pas très loin. Toc. Une escouade complète et bien améliorée pour avoir un soldat du génie. 100, c'est un peu plus compliqué. Bah, tout simplement, j'ai pas de points de ralliement. Et je trouve que les points de ralliement font une grosse différence dans les parties. C'est un des trucs les plus utiles. Oh, saleté, qu'est-ce qui c'est? Une frappe d'artillerie. On s'est fait exploser. Littéralement. C'est pas un soldat à moi qui l'a tué. C'est pas grave, on va se déplacer. On va hop, repasser avec un rusher. On va laisser les autres dans le coin. Mince. Mince, je me doutais qu'il m'avait lu lui. Hop, tu t'en vas. Porte par là, s'il y en a une ici. On rentre. J'ai qu'un seul soldat donc je vais m'assurer de rester dans le point. Sinon j'aurai pas les points de capture. Si vous en avez plusieurs, à la limite sortir avec un, ça permet d'avoir quand même les points de capture. Alors un petit coup de soin. D'autant plus si on nous a lancé une grenade. Ça fait peur le bougre. Non! Il restait plus une munition pour le tuer. Ah, faut que je fasse des kills au corps à corps et avec des grenades. Je suis à 380 de score depuis que je suis rentré dans la zone. J'aurai pas la fin de la capture, c'est pas grave, il restait quasiment rien. Pour l'instant, j'ai que ce point de spawn. Une astuce qui marche bien consiste à échanger entre plusieurs points de spawn de façon à ce qu'on soit jamais forcé d'apparaître jusqu'au moment où le point de spawn suivant apparaît. Et en théorie il est plus près, mais peut-être qu'il va pas être plus près que le camion. On va voir ça. Ah crotte, j'ai réparé vite. Bon, c'est pas un souci. On va passer avec un fusil classique. Je crois que j'ai un fusil niveau 3 sur ce... J'ai que des fusils niveau 3 sur Test Squad. Mes trois meilleurs fusillés. Il y en a deux qui sont max max et un auquel il manque un point. Hop, il a l'air mort. Point de ralliement dans le coin. Alors on va tenter. Personne. Hop. Bon, là je peux recharger en paix. Mince, je pensais qu'il était mort lui. C'est bon. On va tenter de faire avancer mes soldats. J'ai pas une confiance absolue. J'ai vu quelqu'un. C'était une branche, peut-être. Je sais pas vraiment comment je suis pas mort, mais bon. C'est un camion de ralliement ça, yep. Crotte. Ouais c'est ça, je me soigne terriblement rapidement. Alors mes autres soldats sont morts. Non. Bon j'aurais ping au moins le camion de ralliement si quelqu'un y arrive. Je pense que c'est un peu difficile. Quoi que je... Aïe, je pourrais tenter, j'ai une quatrième escouade que j'utilise quasiment jamais.
Si c'était un avion, je ne l'utiliserais jamais, jamais, jamais. Si c'était un char, rarement. Alors, ouais, sauf que là, j'ai pas le temps d'attendre. Un peu trop exposé, je vais reculer. Et demander à mes soldats de reculer. Aïe. C'est aussi une bonne technique de beaucoup bouger. Ça complexifie beaucoup la tâche des fusiliers. Et là, il va quand même à viser net. Il est pas mauvais. Alors, je sais pas si le prochain point d'entrée a l'air vachement loin. On va avancer discrètement. Ah, j'ai manqué mon coup. Bon, là, c'est des fusils niveau 1, donc pour revivre, il leur faut du temps. Et généralement, c'est trop tard. Mince, si j'avais été rapide. Il y en a une deuxième. Pas pourquoi il est monté sur l'autre char, mais j'aurais pas été surpris d'apprendre qu'il avait une deuxième charge. Non, il n'y a pas de. Il y a des trucs pour les grenades, mais pas pour les TNT. Alors je ne sais pas trop. Il a l'air d'avoir un fusil anti-tank. Mince, c'est des alliés, oh là là. Alors, il y a un peu de monde. On va tenter le coup. Ça a l'air calme. Alors, on n'est plus dans la forteresse. Vu le monde qu'il y a, je pense que ça peut être intéressant de tenir ce spot. Allié, allié. Je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être en haut, en fait, tout simplement. Je pense qu'ils peuvent pas rentrer. C'est bon. Je pense qu'ils ne peuvent pas rentrer autre, pas par les murs. Donc, ils rentrent par le haut. Bon, il n'y a plus énormément de monde dans le coin. Là, on sort. Oui, je suis allié, merci. Ça a l'air de confirmer mon hypothèse. Aïe. Bien visé vite. GG à lui. Ah, je suis quand même premier avec un peu d'avance. 34 kills. Je considère que j'ai fait une bonne partie. Si on a... Hop là, ça c'est un peu dangereux. Cachez-vous là si vous voulez bien. Coucou. Alors, je ne sais pas du tout où il a atterri. On va quand même... En théorie, il faut passer devant. Il faut passer devant le char en le mettant sur le dos et après on fait exploser la bombe et ça passe tout seul. J'adore cette arme. 40 munitions, c'est vraiment. Ah, je dois faire des kills corps à crotte. Je dois faire des kills corps à corps, mais c'est mieux si je les fais. Allez hop, c'est clean. J'adore le FNAB, 40 balles, je trouve ça complètement OP. Dès que tu commences à toucher quelqu'un, ça devient très dur de te tuer. Alors, c'est un peu chaud si le sniper tient la porte. Surtout si j'essaie de rentrer un soldat par un soldat. Ça doit faire plus mal que le FNAB. Mais c'est aussi très imprécis, donc on va pas... À couvert. Cache-toi, cache-toi, mon sniper. Alors, ouais, on a un nouveau point, donc je vais attendre encore un peu
d'avoir un nouveau point de respawn. 260 mètres et 240 mètres, c'est vraiment très très loin. En théorie, on est plutôt à 140, voilà. C'est parti. C'est vraiment ballot de prendre une escouade de mitrailleurs pour finalement jouer les fusillés, mais bon. Faut que j'essaye de monter le mitrailleur en me disant que peut-être qu'une fois améliorée, l'arme me paraîtra plus intéressante. Commence à être raisonnable déjà, 50 munitions, un autre chargeur de 50, ça two shot, ça tire super vite, ça fait que je fais un petit prrr et ça tue. Aïe. Ah, c'est tellement chouette les fusillés, niveau 3. Je vais en acheter plein, 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 plein. Je trouve que ce bonhomme, typiquement, donc il a un couteau, il pourra avoir une pelle, molotov, charge de TNT, le meilleur petit fusil que je connaisse, et le Kar 98 qui one shot dans quasiment tous les cas, plus 3 kits, 4 kits médicaux avec le sac à dos, et qu'est-ce qu'il a d'autre? Et une fiole. Je trouve que c'est vraiment le perso de base idéal. Ah, je suis tout seul, suivez-moi. Prenez place ici. Alors, voilà du monde. Elle est détruite? Je peux pas la saisir apparemment. Alors, hop. J'ai perdu mes autres soldats. Je me doutais que quelqu'un allait rentrer. Il y a un char, on est toujours premier, plus de 50 kills, il y aura 700 tickets. Il y a moyen de monter au 100, hein, je pense. Alors, si possible. Oh. J'ai eu le tank là? Je pense. Ah, ça va être chaud. Ouais. Frappe d'artillerie. Je pensais pas qu'en tapant dedans, j'avais ne serait-ce qu'une chance de le blesser. Et peut-être être endommagé. Je connais pas encore sur ce jeu tous les points de faiblesse des tanks. En théorie, ça doit être similaire à Héros et Généraux, mais ce tank là, il y était pas. De façon générale, la partie la plus faible, c'est en dessous du tank. Non, au-dessus, pardon. Bon, en dessous peut-être aussi d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut mettre un point ici? Yes. Le dessus, c'est vraiment la. Derrière la tourelle, c'est la partie fine dans laquelle la charge de TNT marche à tous les coups. Charge de TNT, ça a tendance à bien marcher de façon générale. Mais il y a des fois où ça marche quand même beaucoup mieux que d'autres. On est quand même assez loin du point. Je pourrais presque prendre mon sniper. Ce serait plus efficace. Ou alors je rush. Et puis voilà. Ah, il y a tellement de monde que ça va pas le faire. Et mon escouade m'a suivi. Voilà. Bon. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas laisser son escouade un peu plus loin. Après, ils ne servent à rien, les autres. Enfin, là, dans ce genre de cas où j'aurais aimé rusher, oh, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Pas grand-chose. Là, ça passe pas. Ouais, du coup, j'ai mis proche du point, mais pas forcément au spot idéal. Et on a capturé, donc on va au point suivant. Eh bien, allons-y. Allô. Oh, bien joué.
Je vais regarder si j'ai un angle avec ça. Ouais, soit je touche la tête, soit je touche rien vu ce qui dépasse. Ah si, j'ai réussi à toucher autre chose que la tête. Oh là là, on en a 8 tués. Bon, il me fait un peu de fumée dans le champ de vision lui, mais... tellement loin que je pense que je peux pas le taper. Hop. Le premier tir, il tire tout droit, c'est extrêmement précis. Après bon, ça monte un peu, mais ça reste très 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 précis. Le premier tir, il permet de faire un headshot sur une cible immobile. Hop, ça c'est bon. Ça rend visible de mitrailler. Je suis d'ailleurs surpris que personne m'ait encore éliminé au sniper. Alors, passe ou ça passe pas. Je suis à peu près sûr qu'il y avait un type. Ah, il y en a un là-haut. C'est trop imprécis. Et puis j'en suis au stade où je ne vois plus vraiment. Oh, j'ai... Oh là là. Fallait tirer haut en fait. Je m'en suis rendu compte parce que lui tirait trop bas. J'aurais fait 14 kills avec cette mitrailleuse. Alors par contre, un truc qui peut être sympa. Il va tellement vite que je suis pas sûr de faire grand chose, mais... kills quand même, on en est quasiment au 100. Faut pas qu'on gagne trop vite, sinon j'aurais pas le temps de faire mes 100 kills. On va ramasser ça. Aïe aïe. Cachez-vous là si vous voulez bien. Alors toi, je sais pas si je l'ai beaucoup touché. Bon, me voilà mort, ça résout un souci. Ah, on était juste à deux pas de la fortification de tranchée. Pas trop vite, il me manque encore 17 kills s'il vous plaît. Je peux pas, c'est pas des trucs que je peux prendre. Ah, l'autre est mort, crotte. Aïe. Bon, vu le nombre de gens qui avaient de sortie, c'était probable qu'il y ait un vrai joueur qui tire bien. Ou un robot qui a de la chance. Allez, 16 kills. C'est mon objectif de fin de partie. Et théoriquement, il faudrait que j'en fasse plus à la grenade. Au corps à corps, j'ai peut-être atteint les 4 qu'il me fallait. Si je me souviens bien. Au corps à corps, j'ai un gros doute. À la grenade, j'ai un gros doute. Parce que généralement j'utilise des grenades de... Comment ça s'appelle? Des cocktails Molotov qui ont la particularité de brûler. Et le gros avantage, c'est que quelqu'un de brûlé, il voit plus grand chose et il est occupé à autre chose qu'à tirer. Et donc après, ça devient une cible super facile. Alors j'ai envie de tenter ça. Je l'ai loupé. Bon, ça devait arriver. Voilà, j'ai trop avancé, c'est clair. Hop, et d'un.
Hop. Alors, il me manque 9 kills. J'ai fait un kill au corps à corps de plus. Bon, là, je l'ai joué ultra agressif. J'aurais peut-être dû prendre mon temps, sniper de loin. Mais sniper de loin, j'aurais pas eu vision dans la maison. C'était dans la maison qu'il y avait plein de gens qui attendaient sans trop réagir. Et j'aime bien tenter les coups d'attaque comme ça avec un fusil. Avec Félix Doom, on devrait être beaucoup plus efficace. Ou un autre mitrailleur de l'escouade. Glou. Restez là. Je vais pas mettre de points de ralliement parce que j'ai envie de faire beaucoup de kills encore. Et si je mets un point de ralliement, on risquerait de gagner très très vite. Un. Et deux. Faut pas que je sois trop efficace non plus. Ça, je pense que j'ai pas tiré assez loin. 100 kills, nickel. On va passer avec mon médecin par exemple. Il a une nouvelle grenade. Aïe, pas mon médecin. Lui, il a encore une grenade. Ah, bon bah. Vraiment choisi. Il était bien placé là. Juste le haut du corps qui dépassait. Il regardait dans la bonne direction. Bien joué à lui. Au moins on a nos 100 kills. J'ai fait 10 kills par escouade à peu près. Sachant que j'ai pas 10 bonhommes par escouade, donc le ratio est plutôt bon. Alors, il y a un truc là, ouais. Aïe. Je ne l'ai même pas vu. Je pense qu'il a tiré le long du rocher depuis très loin. Ah, peut-être depuis là-haut. Alors, il y en a un qui bouge. On voit, je pense que c'est l'antenne de son sac à dos. Parce que c'est un... Ah non, il n'a pas d'antenne de sac à dos. C'était peut-être une des branches de son arme. Une des parties du trépied. Alors. Hop, juste au cas où quelqu'un rentre. Ouais, bon, je me suis trop exposé. Non! Pas pouvoir spawn dans le véhicule. Je sais pas à quoi ça correspond le grand A sur lequel j'ai 1,5. Attention, grenade. Alors, je crois que c'est ma grenade qui les a touchés du coup. Alors, lui, il a beaucoup de vie. Voilà, au cas où j'ai pas fait assez de kills au corps à corps. J'espère que maintenant c'est résolu. Où sont-ils? On va pouvoir faire mon kill à la grenade là. Y'a plus personne. Il reste deux chars flanqués là-bas, mais à part ça. Bon, c'était quand même une bonne partie, 13 000. Ah, j'ai fait quasiment 6 000 sans les bonus, waouh. Bon, tous mes soldats sont suffisamment au niveau... Enfin, niveau... Ah, c'est le dernier soldat à chaque fois qui a fait le meilleur truc dans ces deux escouades-là. Étrange.
J'ai une escouade qui a monté, une escouade qui a rien du tout. Alors, en fonction des récompenses, ils ont plus ou moins. Ok. 112 kills, j'aurais terminé avec bien plus qu'il fallait. Pourquoi est-ce que j'ai eu 617 et il me dit que 500 machin chouette? C'est pas censé être la même chose? Je ne sais pas. Et j'avais quasiment 2000 de score d'avance. Eh bien, c'était une sacrée partie. On a avancé dans la recherche. Est-ce qu'on a avancé dans les missions? Oui, j'ai fini corps à corps. J'ai fini, je crois que je vais faire une bataille ou capturer un point. Et grenade, j'ai fait un kill à la grenade.